I would say Tia is one of my global favorite Twelvers. She's built in 1918, built in Norway, and currently under Danish flag since 1970. Johan Anker was the original designer of the boat. I think the boat is at that time made for racing and cruising at the same time. Well, the personality is she doesn't like to go as high upwind as we would like. You can see that clearly at every start, but we make the best of it. I think the best personality is she is very good at light winds, and she doesn't perform very well at very, very strong winds. I think we are the one who races all of the races in the Baltic, and also this season, I think we don't miss out on any race. We have a very professional oriented crew. They are professional workers. They are all literally very committed to TIA. Everybody's working in Copenhagen or around Copenhagen. I'm amazed. When I came here, my heart beat it because I've never seen so many 12ers in one row. And just look at the view. I mean, this is what the sailors want, right? The more competition, the more tension on the crew, and everybody wants to beat everyone, and I think that's exactly what we want. On est ravis d'être à Porquerolles, comme à chaque fois, mais encore plus sur un 12 mètres J. Et French Kiss, bon, ben, la classe des 12 mètres, après longue période des 12 mètres à Newport, pour la première fois les Australiens ont gagné et doivent défendre en Australie. Et une nouvelle classe, une nouvelle ère de 12 mètres naît avec notamment French Kiss 1986, championnat du monde à Fremantle, un dessin de Philippe Briand. C'est un bateau qui est né autour d'une jeune équipe, donc moi-même, Philippe, Marc Bouette, avec cette énergie de la jeunesse découvrant le monde de l'America's Cup, venant de la compétition olympique et de la course au large. Donc sans aucune peur, voilà, on était jeunes, dynamiques et pleins d'espoir. Et puis on a eu la chance d'avoir un bon bateau dès le premier championnat du monde. Un bateau, une quille, et ben, on était contents d'accéder aux demi-finales dès notre première America's Cup. On est quatre anciens de l'époque 87 à bord de ce bateau-là. Donc on met un peu la moyenne d'âge un peu haute, mais c'est l'esprit de l'armateur et tout se passe bien. Ça va être un peu la première fois que French Kiss court vraiment face à des bateaux de la classe des modernes. Je sais que c'est un bon bateau de manière générale. Il était plus réputé pour être bon dans la brise. On a essayé d'améliorer un petit peu dans les petits temps, en l'allégeant un petit peu. Et on est content d'être là.